Moi, je m'inspire, je vois beaucoup d'images, j'adore regarder les images. Je regarde les images sur Internet, notamment les images que la NASA met sur le web. Après, je m'inspire de cette image. Et après, je peins, je pars dans mon univers à moi, je pars dans mes couleurs, dans mes formes. Mais au départ, j'aime bien avoir un départ, quoi, comme on dit, une image qui vous inspire, une image qu'on a envie de reproduire et qu'on aime. Ce que j'aime, c'est quand une image ou un paysage me plaît, le reproduire. N'importe quoi que ce soit, si c'est un fond de la mer, si c'est une plage, si c'est un arbre, si ça me saute aux yeux, il faut que je le reproduise. C'est plus fort que moi. Voilà. J'ai ce côté un peu antique médiéval qui est à l'esprit tout le temps. Et en même temps, j'aime bien le côté fantastique. Alors bien sûr, on peut citer des films comme par exemple Le Seigneur des Anneaux, etc. Donc j'aime bien ce côté fantastique et que je traduis par des atmosphères fantastiques dans mes tableaux. Et je rajoute des arabesques, etc., qui confortent un peu dans l'esprit fantastique. Ou celui-là, c'est pareil. Ça donne un côté ouvragé. Aux œuvres, ça embellit le tout, c'est ce que j'aime bien faire, mettre en évidence, quoi. Ce que j'aime bien, c'est la caractéristique du fantastique, c'est d'avoir des atmosphères fantastiques, donc des couleurs pas toujours très communes, on va dire, entre guillemets. Mais ça peut arriver dans la nature qu'on voit, ça pourrait être un coucher de soleil, ni plus ni moins, par exemple, si on prend celui-ci. Mais c'est vrai que c'est d'allier des couleurs un petit peu plus fantastiques, entre guillemets, que d'ordinaire. J'aurais pu mettre un ciel bleu azuré classique, mais non, le côté fantastique, justement, font appel à des couleurs un peu plus soutenues. Écoutez, ça c'est d'abord du sable du pinard, ça c'est sûr. Et puis après, ce sont des petits bouts de bambou que j'ai trouvés dans la nature, que j'ai mon ami a taillé. Et puis voilà, puis après tout ça, c'est des choses que j'ai trouvées aussi dans la nature et que j'ai mis sur le tableau. Je représente le corps de la femme. Le corps de la femme, ça a été depuis mon début aux Beaux-Arts. Mes études, les premières études, c'était le nu féminin. Et depuis, je suis resté sur ce style et sur ce dessin et sur cette réalisation de corps. Je fais des bronzes. En fait, je ne les fais pas tout seul. Je les fais dans une fonderie d'art. Je les fais avec 5 personnes. Les fondeurs, moi je fais l'original. Après, tout ce qui est fondeur, fonderie, patine, etc., c'est les artisans de la fonderie qui font ça. En fait, le corps de la femme m'attire parce que c'est mon sujet prédilection, mais c'est moi, c'est le modelage, c'est la réalisation des lignes pures. Je ne pose pas trop de questions, moi. Moi, j'essaye de sublimer le corps de la femme sans chercher à je ne réfléchis pas trop, quoi. J'essaie de rendre la beauté féminine.